Bonjour aux auditeurs de toute l'île et un grand coucou aux membres de Jésus et mon guide et aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juin 2022. C'est la 13e semaine du temps ordinaire. Vous êtes avec Stéphanie aujourd'hui et donc ce jour c'est les premiers martyrs de l'Église de Rome. Un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour et bonne fête aux Martial. Nous allons commencer cette séquence par un chant de Glorious, tu seras la louange. Bonne écoute et à tout à l'heure. Un soupir, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je veux. Lecture du livre du prophète Amos.
En ces jours-là, Amasias, le prêtre de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos prêche la révolte contre toi, en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. » Puis, Amasias dit à Amos, « Toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, « Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. » Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, la terre qui t'appartient sera partagée aux corbeaux, toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Nous arrivons donc à la fin de cette séquence. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Et donc, nous terminons par un chant de Glorious dans la joie. Bonne journée à tous et bonne santé. À bientôt. Au revoir. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je
rien à craindre.